dans un lieu où toute croyance en la chimie est punie. Un lieu où tout être abject, croyant en Dieu, gouverne le pays. Hé Pep, attends, c'est pas la bonne période ça. Ah bon? Bah oui, ça se passe au 18e siècle, là tu parles du 15e siècle. Ah d'accord. Attends, je reprends. Nous sommes en 1792, en Transylvanie. Le comte Dracula fut revenu à la vie par un certain sorcier du nom de Shaft. Le comte Dracula a capturé plusieurs jeunes femmes, dont la fiancée du jeune Richter Belmont, Annette. Le comte a aussi mis sans dessus dessous les villages aux alentours de sa demeure. Ma guerre! Cet outil du couteau est pété! Oh, oh! Un beau jeune homme viril qui vient de nous secourir! Qu'il est beau! Rien de cassé, poupée! Hein? Comment oses-tu m'appeler? Moi, la faucheuse! La mort que tout le monde craint! Excuse-moi, t'étais doux avec ta robe violette, princesse! Raté! Ta façon de te mouvoir, on dirait bien que tu t'es fait empaler des eaux lancées par tes sbires dans le fion. Je ne te permets pas, sale mortel. Je te maîtrise, mamie. C'est quand tu veux la danse. Tu veux danser sur ça? Ce fouet, c'est donc toi le fameux Belmont de cette génération. Ça va de pire en pire. Bientôt, on aura un Belmont qui enverra des snaps après chaque ennemi vaincu. Hein? Je ne comprends rien, mais je vais te punir, vil brigand. Goûte à mon fouet. Ton séant, ton popotin, enfin, ton bassin, m'en dira des nouvelles. Tu ne peux pas faire ça. Ah bon? Pourquoi la morte? Ne m'appelle pas ainsi. Le cauchemar ne fait que commencer. Je vais prévenir mon maître de ton arrivée. Il va t'accueillir comme il se doit. Tu me fais penser à Trevor Belmont. Ton arrière, enfin, raccourcissons les choses. Arrière-grand-père. Quoi? Tu me compares à ce pochetron? Il fait honte au Belmont. Il a noyé son chagrin dans l'alcool. Pourtant, tu as de l'alcool sur toi. C'est de l'eau de vie, imbécile. Mon point faible. C'était une feinte. Contre Simon Belmont, j'en ai mangé de l'eau de vie. Cela ne fait plus rien désormais. J'ai un mouvement de recul. Allez, à plus. Attends, il est où le château du comte Dracu? Dans le four, regarde. Pour ce faire, tu dois prendre la première à droite, passer par le village à Saint-Graal, puis passer à ma cove en continuant sur la voie principale, et ensuite tu tournes à droite après le panneau d'agglomération. Cette sortie, tu ne peux pas la louper. Tu rentres à Saint-Laurent. Saint-Laurent-sur-Sèvre? Ah oui, et votre château se situe à la trique? Pas de familiarité, je n'ai pas terminé. Tu n'as pas regardé toute la carte de France, toi? Silence. Bref. Je dois prendre ma calèche et mes deux chevaux de compète? Oui. Ou sinon, tu seras épuisé avant même d'entrer dans la demeure du comte Dracula. Ok, guide-moi jusqu'au village le plus proche du château du comte Dracula. Nous y sommes. Bon vent, poteau. Adieu. Sympa ce type, finalement. Bon, je dois avancer. À pied, maintenant. Un saut de piétonne, c'est casse-pied, bon sang. T'as le cran de le dire, hé hé. Un ninja squelettique? Pourquoi tu n'as pas attaqué par surprise?
Quand vous voulez te surprendre avec ma réplique, chaque chose en son temps. Amateur. Alors, il y a deux chemins. Un chemin très accueillant, avec des golems de pierre immenses, nous accueillant à bras ouverts, ou un autre passage par la roche. Mais je risque d'abîmer mon beau fouet en métal. Je vais voir les golems. Et tu crois te vaincre? Tiens, prends ça. Ah, t'es trop petit. Tu peux sauter pour moi? Non, penche-toi. Mais je ne peux pas. Je suis fait de pierre. Attends, j'ai une autre surprise. Fireball. Ah, espèce de malandrin. J'étais pas prêt. Je saute pas à ce moment-là. Et c'est ça qui est censé m'arrêter? Et voilà le travail. Voirie empirée. Ça sent le gros vilain des lieux. Je vais m'occuper de cette wyverne. Oh, toi! Tu as menti! Tu n'as pas tué le terrible dragon noir! Tu as une explication à me donner! Ah non, c'est un dragon! C'est dangereux, mais il a l'air d'être en difficulté. C'est vrai que t'es un épouvantail à dragon. Saleté de dragon! Tu vas couler la honte devant tout le monde! Attends un peu, je vais te faire la peau! Lévitation! Plus sombre que les ténèbres, plus rouge que le flot du sang, scellé dans la foule. Elle a du caractère, cette petite. Allez, je me taille. Elle prépare un sortilège plutôt costaud. Oh, belle explosion. Ça fait un beau feu d'artifice. Ah, une aile de dragon. Il a eu son compte. Cette forêt est immense. Ah, je crois avoir aperçu l'entrée d'un donjon. Ça m'intrigue. Il y a des sbires de Dracul. Ils détiennent sûrement l'une des jeunes femmes à l'intérieur. Je m'y hâte de ce pas. Richter Belmont vient de finir sa traversée dans le village. Ah, qui n'est plus un village, d'après les villageois. Une certaine Lina Inverse l'a détruit. Enfin, il a par la suite parcouru une forêt lugubre, cachant un donjon assez imposant au bord d'une rivière. Et puis ce donjon est sur son chemin, donc pourquoi pas XP un peu? Il n'y a pas d'XP, j'en ai pas besoin, je suis trop fort. Ah oui, je m'égare. Y a-t-il du loot? Pas besoin d'équipement bien solide pour un bébé. À part le fouet, bien sûr. Pour fouetter le cul, le compte de la queue. Mon petit Dracu, tu l'as dans le cul! Oui, oui, bien sûr. Pendant ce temps, le comte Dracula réfléchit sur ses projets futurs. Oui, autre voyant. Et c'est moi, monseigneur, qui vous ai ressuscité. Je voudrais dominer le monde, mais ma magie est trop faible. Pour ce faire, j'ai besoin de vous. Un misérable humain me l'endant la vie. C'est étonnant. Soit. Mais en plus, il ose me demander ceci sans une petite compensation. Pour moi, évidemment. Ah oui, qu'est-ce donc, votre majesté? On a déjà capturé les plus belles femmes de la Transylvanie. Elles sont toutes dans le château. Mais je ne suis pas pédophile. Pourquoi dites-vous cela? Vous avez emprisonné une gamine dans l'un de mes plus grands donjons. Je le sais via mes gargouilles. Elles sont mes yeux. Oui, mais vous pouvez au moins lui sucer le sang. Elle fera une bonne combattante après sa transformation. Cette mécréante a osé lever le petit doigt face à ma magie. Elle en a dans le ventre, et puis à cet âge-là, le sang est de qualité. Pourquoi donc? Je ne vais pas par la suite lui acheter les poupées Barbie, et puis elle va me stresser si elle pleurniche. Et quand je stresse, je glosse. D'où le titre? Comment? Ah oui, je dois apporter du XXL. C'est très gênant pour moi. Je vais me le mettre en forme avant
de côtoyer la belle jeune femme de Richtel bellement. Voilà pourquoi vous prenez votre temps pour mettre à bien votre plan. Et au fait, votre souhait, monseigneur. Ah oui, cessons nos divagations. Je voudrais que tu tusses Richtel bellement. Les bellements m'ont bien causé du souci pendant de nombreux siècles. Je suis plutôt plévisible. Là, le fouet s'améliore de siècle en siècle. Vous pouvez manipuler la luse à votre guise. Je vous aiderai en vous enflant une partie de mes meilleurs sbires. Je ne vous décevrai pas, monseigneur. À plaisant, vous pouvez disposer. Bien, monseigneur. Tiens donc, la molle. Que me vaut cette visite? J'ai pu tester ce fameux Richter Bellemont. Il n'a pas l'air bien coriace. Je compte le combattre au port de l'armée, non loin d'ici. Il y passera obligatoirement d'ici 2 jours. S'il réussit à arriver jusqu'ici. Très bien. C'est ton meilleur atout de combattre dans ces lieux. Les bateaux, c'est ton rayon. Et puis, s'il a le bal de belle. Ça ne sera que plus facile, maître. Je vais me hâter. La victoire m'appelle. N'oublie pas de ramener du vin pour célébrer ta future victoire. Shaft n'aura pas le temps de s'en occuper de ce petit rigolo. À suivre.